La cité universitaire de Paris, vous le savez, est née historiquement dans les années qui suivent immédiatement la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a eu à ce moment-là une formidable aspiration à construire durablement la paix. Et les concepteurs de la cité ont eu cette intuition assez géniale qu'on pouvait construire la paix en faisant vivre ensemble les jeunes venus de tous les pays sur un même site, celui-là, et les amener du coup à se comprendre et à s'entendre. La Cité internationale a principalement pour mission d'accueillir à Paris des étudiants étrangers venus de tous les pays du monde et qui poursuivent leurs études à Paris. Nous accueillons aussi des chercheurs et des artistes d'ailleurs. Nous avons chaque année 10 à 12 000 jeunes qui viennent à la cité, qui sont hébergés ici. Nous avons également, bien sûr, non seulement pour mission de les héberger, mais aussi de faciliter leur séjour dans la capitale en leur procurant tout un tas de services très pratiques qui leur permettent de bien s'intégrer et de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Depuis le Moyen Âge, l'Université de Paris a toujours accueilli des étudiants du monde entier dans ce qu'on a appelé autrefois les collèges des nations. Et lorsque la Cité internationale universitaire de Paris a été créée en 1925, elle a repris cette tradition des universités parisiennes, cette tradition d'accueil. Tout d'abord, il y a un service, je dirais, d'accueil. Quand ils arrivent à Paris, nous les aidons à régler tous leurs problèmes administratifs, leurs papiers, leurs questions d'assurance maladie. Nous les recevons, nous discutons avec eux. C'est vraiment un service personnalisé. Je crois que c'est important de le dire. C'est des services de logement avant tout, donc des studios ou des chambres très confortables. Mais principalement, c'est un foyer d'accueil. C'est un foyer où un étudiant ou un chercheur qui arrive pour la première fois à Paris ne se trouve pas dans le désert. Il se trouve non seulement en centre-ville pratiquement, mais il se trouve aussi dans une communauté qui peut l'accueillir assez facilement et assez chaleureusement. La Cité internationale universitaire de Paris offre un dispositif unique à Paris en matière de campus. Nous avons tout un tas de services de vie étudiante qu'on trouve sur tous les campus internationaux, bibliothèques, restauration universitaire, beaucoup d'équipements sportifs qui sont mis à leur disposition et aussi énormément d'activités culturelles pour faciliter les échanges entre tous ces étudiants qui viennent du monde entier. Tout est fait quand même à la cité pour qu'il y ait les rencontres, les échanges, puisque vous avez le monde entier qui est réuni ici. Toute maison, et la nôtre aussi en particulier, offre très souvent des concerts, des colloques, des présentations de livres qui font vivre la maison d'une façon différente d'un hôtel ou d'un lieu d'hébergement qu'on pourrait trouver en ville à Paris. Une grande caractéristique de la cité, c'est qu'elle est fondée sur des maisons qui sont rattachées le plus souvent à un pays, qui ont leur pleine autonomie administrative et financière et qui sont une vitrine du pays en cause, de sa culture, de son passé, de son vécu actuel, de ses problèmes actuels. Ça, la gouvernance de la cité, de ce point de vue-là, est assez extraordinairement efficace et moderne. Évidemment, l'un des souhaits de la chancellerie des universités, c'est que la grande phase de développement qui a eu lieu au moment de la création de la cité, et puis à nouveau après la Seconde Guerre mondiale, reprenne. L'État français, effectivement, a signé avec la ville de Paris un accord qui va permettre à la cité de construire de nouvelles maisons. Donc nous avons aujourd'hui des terrains disponibles pour construire ces maisons et nous nous tournons bien sûr vers des pays qui ne sont pas encore présents à la cité pour leur proposer de nous rejoindre. Naturellement, l'intérêt de l'Italie depuis toujours, et je pense aussi des autres pays, est celui de créer une communauté scientifique européenne, voire mondiale. Pour un pays, avoir sa maison à la cité, à Paris, c'est d'abord être un centre lui-même de manifestations, d'organisation d'événements, sur le plan artistique, mais aussi sur le plan universitaire. Et donc, il est représenté, en quelque sorte, officiellement à Paris, au niveau universitaire et scientifique. Dans les statuts de la cité même,
on a ce qu'on appelle le brassage, c'est-à-dire le mélange de nationalités. À la Maison d'Italie, comme partout, on a 50% d'étudiants italiens et l'autre 50% appartient à différentes nationalités. Chaque année, on a entre les 20 ou 30 nationalités. Et ceci est très important car permet d'ouvrir la maison à d'autres étudiants, d'autres nationalités. Et donc, ça enrichit avant tout notre maison et notre culture. C'est un endroit extrêmement original qui a une longue histoire de favoriser les échanges entre tous les pays, qui s'inscrit donc dans une volonté de solidarité, de reconnaissance des cultures de chacun, d'expression de ces cultures. Ce sont des générations plus soucieuses de la solidarité. Elles sont plus soucieuses de vivre la diversité culturelle. L'amitié et le partage parmi les résidents, mais même parmi le personnel, est un des points forts, sinon le point plus fort de notre cité internationale universitaire. Il est évident que la cité joue un rôle central dans cette politique d'accueil et donc d'échange et donc à terme de liens qui sont établis entre ces étudiants qui ont fait un séjour à la cité et leur pays, et Paris et donc la France.